Tous les suceurs qui disent que le jeu est bon. Aïe. Très bon jeu, en plus on peut voir les s*** de la meuf quand il pleut. Ah, il a faim le boug. Oh, une biche. Waouh. Oh, une grotte. Oh, il coupe un arbre. Il pose les bûches. Il casse les bûches en deux. Il construit une maison. Non mais, arrête. Attends, comment j'arrête ça? Voilà. Ce jeu a l'air incroyable. Oui mais voilà, il coûte 29€ sur Steam. C'est vrai que ça a l'air vachement cher pour un jeu vidéo indépendant. Je préfère mettre 70€ dans un jeu qui sort tous les ans et qui n'a rien de nouveau. Mais 29€, ça me paraît quand même vachement cher pour un jeu comme ça. Alors, je pense qu'il faut regarder les avis d'abord. Déjà, on va rien toucher au filtre, on va laisser comme ça, on va regarder ce qui nous vient sous la main. Et après, on mettra des filtres spécifiques pour trouver des pépites. On a Xel4S qui recommande. Il a joué 139 heures. Moi, j'ai joué 32 heures sur le jeu. Lui, il a joué une centaine. Waouh, il est fou. Un ami sourd et teubé, une meuf à 6 membres, des gens à moitié à poil qui popent dans un buisson quand tu tournes la tête en train de te regarder silencieusement. On est sur une île perdue ou à Gare du Nord? Il attaque aveuglément tous ceux qu'il croise. Avis de visite, une étoile. En arrivant sur cette île quelque peu séduisante ma foi, je me suis retrouvé nez à nez avec un homme nu qui me fixait, sans bouger ni parler, et je me suis dit que c'était peut-être un indigène de la région. Je me suis approché en le saluant, puis il s'est mis à me courir après avec une hache de fortune. Accueil désastreux! Je déconseille ce lieu touristique. J'adore. J'adore, ça me plaît. Bien vu Kirigan. Kirigan, Kirigan. Je recommande, je suis une joueuse de Green Hell. Oh, une fille, tu veux jouer avec moi? Tu sais qu'il y en a, dès qu'ils voient un pseudo féminin, ils sont là comme ça en hiérarchie directe. Hein. Je me suis mise à Sons of the Forest pour changer, je suis conquise, la map est magnifique et le système de construction laisse vraiment énormément de liberté. Bah, et puis d'autant plus que bon, il faut le dire, c'est quand même beaucoup plus simple que Green Hell. Green Hell est quand même beaucoup plus poussé, on peut le dire, niveau réalisme, niveau survie. Là par contre, sur Green Hell, c'est l'enfer, c'est le cas de le dire. Là, c'est de la vraie survie, quoi. Donc Sons of the Forest, c'est un peu plus arcade, ça, c'est sûr. Ah, non recommandé, on a El Mulegascu, il est pas content, il est pas content. Ah oui, il a joué 2 heures. Pire jeu ever, il y a 0 survie, on ne peut pas mourir de soif ou de faim. Même en difficile, le jeu est vide. Comment ça, on peut pas mourir de soif? Mais peut-être que c'est vrai, aucune idée, là, j'avoue. Ah, voilà, ça me plaît, Gilbert. Ah, par contre, il a joué 14 heures, Gilbert. Donc on peut lui retirer une épine du pied, déjà. Seigneur, ne l'achetez pas! Le premier est excellent, mais le 2 est vraiment nul. À part la construction qui est plus poussée, tout le reste est juste décevant au possible. Niveau survie, pas besoin de créer une base, vous pouvez tracer de grotte en grotte en trouvant tout ce qu'il vous faut à profusion. Les loots réapparaissent à chaque lancement du jeu, niveau mob, c'est éclaté, aucune amélioration, voire même une régression de l'IA. Alors, il y a une partie vraie, il y a une partie fausse. Selon moi, il a raison pour l'histoire de la base, qu'on a tout ce qu'il faut dans les grottes, assez réel. Moi qui suis une grosse merde, ça m'a bien aidé quand même. Mais c'est vrai que le fait qu'on ait les loots aussi qui réapparaissent, c'est réel, ça facilite de zinzin l'expérience. Par contre, régression de l'IA, c'est complètement faux, bien au contraire. Bien que j'ai l'impression qu'ils nous ont un petit peu menti sur l'IA, parce qu'en réalité, ils apparaissent un peu aléatoirement... Alors que c'était pas comme ça qu'ils nous avaient vendu l'intelligence artificielle, les ennemis je parle. Par contre pour le coup leurs réactions sont assez sympas quand même. Voilà, on peut s'attendre à mieux, hein, ça c'est clair. Mais c'est quand même mieux que sur The Forest, attention tout de même. Alors plus de questions que de réponses, est-ce que c'est pas justement un plaisir d'un jeu justement ou d'un film? Il y a beaucoup de films ou de jeux qui sont super intéressants parce que ça réveille plus de questions que de réponses. Comme le jeu Outer Wilds, pour ceux qui connaissent Outer Wilds, le jeu qui se passe dans l'espace, au final, t'as plus de questions que de réponses. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Parce qu'au final, bon, t'as qu'à regarder des comédies françaises sur Prime Video, et puis t'auras toutes les réponses à la fin du film, tout le monde s'embrasse, tout le monde est content. Bon, voilà. Mais quand c'est artistique, des fois, t'as souvent plus de questions que de réponses à la fin, et je trouve ça chouette. Enfin, là, je suis en train de m'égarer, mais c'est juste pour vous dire, voilà, j'ai pas fait bac littéraire, mais j'aurais pu. Un jeu ennuyant. Ah, Kermalou, il a joué combien de temps? 15 heures. Ok, Kermalou, tu es totalement dans ta légitimité. Pour avoir terminé le premier, qui est exceptionnel, peut-être un des meilleurs jeux de survie, Sons of the Forest m'a fortement déçu. Oui, il a de très beaux graphismes, un système d'inventaire plutôt intéressant et un mode de construction très bon et intuitif, mais qui ne sert objectivement à rien étant donné que le jeu est hyper simple. Aucun besoin de construire une base, aucun besoin de se nourrir, de trouver de l'eau. Et bah jusqu'ici, j'ai envie de te serrer la main, Kermalou. Les objectifs dans le jeu sont nuls, aller d'un point A à un point B, espérer avoir la chance d'aller au bon endroit. Un open world immensément vide avec des grottes sans rien à l'intérieur. Alors, complètement vrai, je rejoins totalement son idée. On rappelle que, je sais que c'est la phrase un peu facile,
et le fait que ce soit une open bêta, mais je l'ai dit, la map est absolument vide. Et c'est dommage parce que c'est sorti tôt par rapport à... Ils avaient pas fini le jeu, clairement. Au contraire, il y a du potentiel, quoi. Le fait que la map est grande et vide, c'est qu'il y a du potentiel à la remplir. Parce que ce que je disais, c'est que si la map était plus petite, donc elle n'aurait pas été si vide, tu vois, il y aurait eu plein de trucs. Mais du coup, au final, les prochaines mises à jour, il y aurait quoi? Bah, il y aurait rien, parce qu'il y aurait déjà tout. L'histoire est complètement incompréhensible sans regarder de vidéo explicative. Ah, oh, je suis pas d'accord parce que de 1, tu peux te faire tes propres théories. Et de 2, si t'as joué à The Forest, il y a quand même une cohérence. Hein. Je sais que le jeu est en bêta, mais quand tu mets dans la description Steam une histoire à découvrir alors qu'il n'y a aucune histoire, 2 cinématiques, maxi dans le jeu, les suceurs qui disent que le jeu est bon. Aïe, coup dur pour Guillaume. Alors, je t'aimais bien jusqu'ici, Kermalou, parce que tout ce que tu dis... C'est carrément vrai. Mais je ne suis pas un suceur. Je me sens concerné parce que je dis que le jeu est bon. Bien sûr. Mais le jeu, il est quand même sympa. T'as publié le jour de mon anniversaire en plus. Ça, c'est pas un cadeau de me traiter de suceur le jour de mon anniv. Mais enfin, on peut pas avoir le pain et le beurre du pain sans avoir la confiture, quoi. Ah, voilà, ça, c'est les avis amusants, ça. Dernière fois que j'utilise ce site pour réserver mes vacances. Un scandale. Le site refuse mon paiement 20 fois d'affilée. Voyage en hélicoptère qui finit en crash. J'ai perdu toutes mes valises. Non pris en charge par Mastercard, car l'île est non répertoriée. J'ai rien compris. Hôtel inexistant. Le client construit son hôtel, en fait. Super concept, bordel. Guide touristique sourd et muet. Je suis pour l'inclusion. Ah oui, d'accord. Le guide touristique, c'est Calvin. Je suis pour l'inclusion, mais là, c'est compliqué quand même. Les locaux sont vraiment peu amicaux et je déconseille de visiter leur village. La déco d'Halloween, chez eux, c'est toute l'année. Visite des grottes, je déconseille aussi, peu éclairé et glissant. Et bref, si vous recherchez un stage BTP, menuiserie et folklore cannibale, foncez. Ah, j'en peux plus. Ceux qui mettent des avis comme ça, vous êtes des génies, quoi. Nous étions à la recherche de notre PDG, mais nous avons croisé Valérie Pécresse, ainsi que ses électeurs dans les bois. Fort heureusement, elle n'a plus accès à ses appareils électroniques pour raconter ses carapistes. Bref, le jeu est bien. Hey, The Vibing Pawn. Un génie. Bon, je pourrais pas me faire rembourser car j'y ai passé plus de 2 heures. Là, ça commence à bien faire. Moi, je voulais monter à dos d'indigène et au final, il y a un enfant de consanguin qui me suit jusqu'au mont Everest, là, avec ses oreilles pleines de sang. Le jeu, il est pas opti. Ma config, elle fait des retours de flammes. C'est pas jouable. J'ai l'impression que je me fais un après 2 heures de jeu car les indigènes ont la force de l'Undertaker. Ils font des esquives comme moi, Madali. C'est bon, si je veux me faire sauter la caisson, je vais en... Non, frère. J'ai pas vu de sanglier pour l'instant, donc rien que pour ça, je pense que Genshin Impact vaut plus le coup que ce jeu. J'attends encore l'update, on pourra avoir des relations. Ouais, frère, c'est trop. Francky, calme-toi, Francky. Tu veux mon zizi? Oui. Je vais te le donner, oui. Bon, ça, c'est le classique, une femme en bikini avec une troisième jambe, c'est tout pour moi, voilà. Très bon jeu, en plus, on peut voir les seins de la meuf quand il pleut. Ah, il a faim, le boug. On est déjà sur le pire jeu de la décennie 2020-2030. Bah, tu dois pas jouer à beaucoup de jeux, toi. En tout cas, j'aimerais conclure là-dessus, les amis, parce qu'on rigole. Le but de la vidéo, c'était vraiment de rigoler. Je voulais vraiment trouver des pépites, donc des commentaires rigolos, des gens qui ont ultra la rage et tout. Mais en toute bienveillance et en tout respect, encore une fois, premièrement, je respecte absolument les goûts et les avis de chacun, totalement. Dans l'idéal, c'est qu'ils respectent aussi ceux des autres. C'est quand même plus sympa, hein. Deuxièmement, franchement, il n'y avait aucune moquerie, c'était juste pour rigoler, pour qu'on passe du bon temps ensemble. Et puis troisièmement, moi, de mon côté, j'ai bien aimé le jeu, mon expérience. Je rejoins quand même pas mal des critiques là-dessus. Voilà, je suis pas en train de défendre le jeu quoi que ce soit, comme vous le savez. Moi, je suis, voilà, yin-yang. Moi, juste, j'ai passé un bon moment sur le jeu dans tous les cas. Et là, j'ai passé un bon moment à regarder les commentaires. Donc voilà, moi, j'ai envie de dire peace and love. Je suis peace and love. Je pourrais même dire à mon ex, c'est une bonne personne. Tu dépasses les bornes. 49,3 raisons que j'ai sur les réformes. Et puis voilà quoi, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié ce moment également. Vous avez passé une bonne vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like. Regardez, ça se passe juste en dessous. Vous abonner si c'est pas encore fait, parce qu'on pourra éventuellement refaire des contenus similaires si ça vous intéresse. Si vous êtes chaud, bombardez-moi cette barre de like. Et puis le commentaire qui fait plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.